Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation. Notre petit village médiéval, grenier construit, parfait. Effectivement, j'avais besoin d'avoir des ressources un petit peu plus proches, de la bouffe plus proche. Alors du pain, on avait dit, on a quoi d'autre dans le marché là? Du fromage et de la viande. Faire de la viande. Il y en a un autre grenier, je crois, en cours de construction pour du fromage. Grenier, on va l'appeler affineur, l'usiller. Non, c'est pas ça. Oh mince. Oh bah oh, j'ai plus de travailleurs. Oh bah dis ça craint. Oh bah. C'était pas prévu ça. Voilà, viens des mamandes. Soit les bains vendus. On dit chez nous, soit les bains vins nus. Voilà. Merci du travail. Ouais, effectivement, là, il y a du boulot, quoi. Il y a beaucoup de postes à pourvoir. Là, ça va faire un gros village au mine de rien. Voyons, voyons, voyons. Là, c'est pas mal, ça commence à bien couper petit à petit. C'est vrai qu'on a aussi du houblon à faire ici, ouais. Mais bon. On a du pain, on produit pas mal de pain, en vrai. Hein. Produit vraiment pas mal de pain, on a l'air assez stable au niveau de cette prod. Voyons voir, ouais, il y a encore un peu d'arbres là. Et ce que je vais faire, c'est un campement de bûcheron ici. Même là plutôt. Alors ça, ce sera à voir plus tard, hein, bien évidemment. Mais où je l'ai loupé? Camp forestier, voilà. Avec un petit camp forestier juste à côté, parce qu'on va vouloir avoir une petite exploitation de bois dans le coin pour avoir assez de bois pour le camp de charbonnier. Charbonne du. Bon, au niveau du. Il y a quelques problèmes de nourriture. Ça devrait aller mieux avec, la mise en place du grenier ici. Oh la vache, l'église, elle avance vite. Hein. Bon, d'accord. Bon, elle avance peut-être pas si vite que ça, en fait. Quelques petits problèmes d'outillage. Oh la vache. En tout cas, les bâtisseurs qui chôment pas. Hein. Je peux vous dire que là, les bâtisseurs ici, ils y vont à fond. Ils vont vite prendre deux niveaux. Déjà niveau 4. Je crois qu'ils étaient niveau 0. Très bien. Là, on va mettre du fromage. Pour le reste, pas besoin. Mettre juste un fromage ici. Camp forestier construit, très bien. Hop. On verra plus tard. Du moins pour ici. Stockage plein. Oui. Où ça? Ah bon, ils sont arrivés? Je l'ai pas vu. Ah zut. Alors, voyons, 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 voyons. Voilà, du boulot. Voilà, du boulot. Le forestier, ça peut attendre. Le transport ici, c'est mon mine de fer. Ah ouais. Bon bah vu que j'ai aujourd'hui rien d'autre, on va mettre le forestier en travail. On a la taxation qui s'est bien mise en marche. Produit du fer et ça c'est bien surtout. Bon, on n'a pas de lieu de stockage, pas encore. Ce qui fait qu'on n'en produit pas tant que ça au final. Ça va venir, ça va venir. Dans la taille de l'église là. Voyons
Voyons. Comment ça se passe au niveau de notre monastère? On l'avait construit, hein. Je crois que tout tourne, non? On avait assez de moines et de nonnes. La production de manuscrits. Pourquoi j'ai dit sacristie? J'ai dit un truc de chelou la dernière fois, je crois. Hein. Et pourtant, ça date. Hein. Et d'un coup, là, ça vient de me faire tilt en mode de... Oula, je crois que t'as dit là. Hein. Comment ça, t'en es hein. Wouah, les récoltes de pierres, de minerais de fer, de minerais d'or, de marbre, de quartz sont augmentées de 100%. Ah, mais les productions de bouffe des minutes 50. Ouais, bon, pas ouf. Non, bon, c'est pas ouf du tout. Il est privilège. Toujours du mal avec le clergé, moi, par contre. Hein. C'est moins mal, mais... J'ai un peu de splendeur, heureusement. Voyons. Aussi, au niveau des soldats... J'ai quelques blessés. J'ai pas mal de blessés, même. Je vais les envoyer... Démolir un fort. Pièce d'or, bois, pierre. Pas ouf. Pièce d'or, baie, mixture de baie. Pièce d'or, baie, sanglier. Hein. Pièce d'or, gemme, bijoux. 20. Bon, on va faire ça. Ah bah ils sont tous en mission déjà. Ok, on va pas les envoyer de suite alors. Peut-être les laisser tranquillou se reposer un temps parce que. Les pauvres. Hop. Pas d'accès de nourriture. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Comment ça ici? Bah. Tu déconnes mon gars? Bah non, tu déconnes pas mon gars. Et le marché a vraiment des problèmes de rapprovisionnement. C'est terrible. Mais pourquoi y a rien? Enfin. J'ai du pain à gogo? En stockage? Du poisson, je sais pas pourquoi ils veulent. Bon, ils foutent quoi les transporteurs? Mais les transporteurs ils se touchent la nouille. Normalement, tu m'étonnes que ça fonctionne pas. Regarde, 50 sur 50, 50 sur 50, 5. Enfin. Il va peut-être falloir aller chercher hein, ce qu'il faut, hein. Ça, c'est fou, ça. Ok, on a ramené quelques ressources. Ici, on va mettre le bûcheron. Et il y avait des mines. Putain, j'ai pas augmenté la production de bouffe alors que je suis bien, quoi. J'ai normalement assez de bouffe, c'est juste qu'ils sont pas capables de la transporter comme il faut, quoi. Non mais, terrible. Hop, mine d'or. Non mais, c'est... Je comprends pas. C'est construit ça ou pas? Ah non, pas du tout. Il manque des statues. Ah oui, la fameuse statue. Ah oui, mais c'est vrai que tiens. On a notre premier citoyen ici. Qui est en train de faire des statues. Jouer. Je vois toi, mais est-ce qu'il fait les statues peut-être pour ça? Oui! Oh, regardez. Ça commence à être plutôt pas mal. Bon, il va falloir... Une fois que ce sera construit, que ce sera à peu près stabilisé, là, au niveau de toutes ces prods, machin, ce petit village, je regarderai pour le... Soldat épuisé, ah oui. Ouf. Je regarderai pour tout ce qui est nourriture, cela j'arrive pas à comprendre pourquoi. En plus, enfin, j'ai tellement de fromager quoi. Et au niveau du lait, c'est peut-être limite, j'ai qu'une seule ferme. Je vais en rajouter une au cas où. De toute façon, ça demande qu'un seul travailleur, donc c'est vraiment peu. Ah ouais, les fermes laitières, c'est... Putain, foutre la ferme laitière en plein milieu, les vaches vont se balader dans le blé.
Ah, alors attendez, regardez aussi ce que je peux faire. Là, j'ai un peu d'argent qui est revenu. Hop, on va construire ça. La fonderie. Ah ben, ça sera fonderie et forgeron. Encore l'armurier. Au niveau des vêtements, on est bon, hein. Même au niveau de la viande. C'est ça, je comprends pas. Un nouveau récit peut-être entendu. Oh, un truc positif, s'il te plaît. Hein. Excellent matériau de construction. Très bien. Elle est où ma souris? Ah, elle est là. J'ai perdu ma souris. Oh, mais elle est vraie en plus. Oh, merde. On va signer les transporteurs ici. Bon, j'ai rien de spécial à mettre, hein, c'est ça le truc en plus. Ok, au niveau de la nourriture, ça a l'air de juguler un peu. Ça a l'air de s'améliorer, on va dire. Je sais pas si c'est le bon terme, juguler. On va voir. Leur vendre, pain, je sais pas assez. Attends, mais attends. Si ça se trouve. C'est ça. Si ça se trouve, c'est les marchands qui viennent dévaliser, on va dire, un des greniers en ressources. Sauf que. Bah, sauf que c'est pas bon. Encore un récit. Vache. Bah sauf que s'ils en dévalisent un, bah les ressources locales, il n'y en a plus quoi. Donc il va falloir que je change la cap. Enfin j'aimerais connaître la capacité de stockage totale, pas accès à du luxe. Ouais bah oui. T'es rigolo toi en même temps. Je dis il va falloir que je change la capacité de stockage totale. Mais de la binouze. Pour non, et que j'essaie, pardon. On va la refaire. Il va falloir que j'essaie de trouver la capacité de stockage totale que j'ai dans mon village pour pouvoir vendre que ce que je peux avoir en surplus de ce stockage. Même essayer de trouver un équilibre, quoi. Par exemple. On peut pas fermer on peut pas dire à un grenier ne vend pas. Ça c'est dommage. Parce que accepter, stocker le maximum. Ouais mais. Ça fait enfin. En gros, j'aimerais bien juste un endroit dans le village dire bah là voici les ressources dans ce grenier ou dans comment ça s'appelle, dans cet entrepôt, et les marchands peuvent se servir que dans celui-là. Imaginons j'ai celui-là. Et les autres, c'est que de la réapprovisionnement local. Donc tant que les réapprovisionnements locaux sont pas pleins, on remplit pas les entrepôts pour les échanges externes. Et s'ils sont pleins, alors là on peut les remplir et mettre plutôt des produits à la vente pour l'extérieur. Mais ça, j'ai pas. C'est dommage. Ah, j'aimerais bien que ça existe, ça. Que là, stocker le maximum. Mais si je fais stocker le maximum, est-ce qu'ils peuvent aller se servir là, quoi? Identique à accepter, de plus les ressources peuvent être récoltées à partir d'autres entrepôts. Attendez, 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 c'est peut-être ça. Accepter. Les ressources peuvent être entreposées, utilisées par des villageois ou achetées. Ouais. Identique à accepter, de plus les ressources peuvent être récoltées à partir. Ouais, super. Ouais. Refuser, ressources supplémentaires ne peuvent être entreposées, mais c'est déjà entreposé, pas de stocker. Ouais.
Ouais, bah c'est pas. Ouais, on peut mettre des. On peut faire un entrepôt semi-prioritaire, quoi. Ouais, je suis pas fan, en vrai. C'est qu'il manquerait un petit truc de gestion, quand même. Faudrait que je me renseigne s'il n'y a pas. Ouais, mais non, c'est trop tard pour les mods. Ça coûte cher, en plus, les. Enfin, il faut beaucoup de travailleurs, quoi, en plus, là-dedans, donc. Ce camp de bûcheron, il est quand même génial. Il y a tout ce passage-là. Pas de zone de reforestation à proximité. Là, faut attendre que ça soit coupé là-bas, etc. Sois patient, mon ami. Alors, voyons voir. C'est vrai que j'ai pas suivi. Mineur, mine de fer, impec. Alors, donc, on va essayer de, je vais essayer de choper les greniers, les différents greniers que j'ai. Surtout les plus importants au niveau stock de bouffe. Toi. Stocker le maximum. Toi. Stocker le maximum. Tain, on va voir là, j'ai laissé couler un petit peu de temps. Pas beaucoup, mais ouais, d'accord. Ouais. Mais clairement, les capacités vont. Les capacités sont clairement meilleures. Tac, 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 tac. Et je vais modifier. Je vais arrêter de vendre de la bouffe. Je vais arrêter de vendre ma bouffe. Et je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Hop, poisson. Tac, pain. Et je veux voir jusqu'à combien je peux monter en stock. À mon avis, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir. Que je vais pouvoir voir le. Bah, les quantités de stockage quoi. Hop. Tout ça c'est bon. Oups. Donc on va laisser les ressources s'accumuler. Bon, je vais avoir beaucoup moins d'entrées d'or hein, par contre. Hein, va falloir faire attention. Et je vais perdre beaucoup beaucoup d'entrées rentrées d'or. J'ai pas mal de nouveaux villageois. Oui, il me fallait une ressource de luxe. B, poisson, vêtements, fromage. La viande a un peu du mal à s'accumuler. Oui, mais c'est normal, je crois que j'avais un taux assez. Un taux de vente. Je crois que ça vendait quand c'était supérieur à 100, donc ouais. En plus, ça s'arrête pas. Et alors, j'étais à 25 au niveau de du clergé. Ah, ça n'a pas bougé. Hein. Donc, tu me diras, l'église là-bas, elle n'est pas encore construite. T'inquiète pas que ça va tout changer, hein, une fois qu'elle sera faite. Hein. Au niveau des mandats, tiens, on va prospecter les minerais, ouais. Bonne idée. Allez, Basileus. Tu as du travail de nouveau. Hop, là, on récolte du lait. On a assez. Ça augmente. Par contre, les fromages. 5 laits pour un fromage, c'est ça? 2 fromages. Ah, en fait, ils sont toujours en attente de lait, quoi. Là, ça se voit, ils sont en attente de lait, je sais pas. Non, elle est où? Elle est... Où est-ce que je le stocke? Ici, le blé? Le lait. Si. Après, pour les ressources de construction, j'ai pas trop de soucis actuellement, donc je vais pas les changer. Oui, je peux rajouter le houblon parce qu'à terme il y en aura.
Viens là, nouvel arrivant. Viens là. Le pain, le pain, le pain. Je commence à stocker un peu de blé. Donc mon... Bah tu déconnes Francis. Ah ok, c'était pas l'heure de... Faut voir si... Mais ça peut pas valoir le coup de faire un moulin, vu que je stocke pas mal de blé là. Ah parfait, hop, voilà, construire la tonnellerie. C'est vraiment les 12 travaux d'Astérix là. Donc il y en a 12, mais il y en aura un paquet. Hein. Là ça stocke, les entrepôts... Je crois qu'apparemment c'est pas la priorité de construction. Je sais pas ce qu'ils construisent, tiens d'ailleurs. Ouais, ils construisent quoi? Oh, ils sont déjà niveau 5 quoi. Ils sont tellement taffés. Ah oui, ils sont à fond sur l'église. Ouais. Ouais, ils veulent absolument l'église. Bon, c'est pas mal. Me ferait mieux voir du clergé. Alors, tiens d'ailleurs. Capturer une charbon, minerai de fer, outils. Oh! Peut être pas mal ça. Et on va voir le taux de réussite. Très élevé. Iii, ça se voit qu'on vend moins de choses. Mon petit. Matière première manquante. Boulangerie. Ah, pourtant j'en ai qu'une seule, les boulangeries, j'en ai pas 50. Ouais, c'est la farine. Alors peut-être parce qu'il y a du... Je suis en stockage, c'est le temps que ça se rééquilibre, je suppose. J'espère. Houblon, herbe, lait, lait. Mais ah voilà, je la stocke là. Bah non, ma farine. J'ai l'impression que c'est ça qui tourne au ralenti, hein. Hé, meunier. Qu'est-ce que vous foutez, les meuniers, là? J'ai l'impression que vous travaillez pas beaucoup ces derniers temps, hein. Oui. Ok, on stocke. Au niveau du poisson, j'ai l'impression qu'on stagne vers du 450. Ok, j'ai rien dit. On peut monter sur du 500. Cinq cents. Au niveau des baies, c'est plus près de 400. Quoique là, on n'est pas à fond. Ok. Ah ouais, j'ai oublié de les mettre en réappro. Donc voici ce qu'on a en grenier. Hop, plus qu'un dernier. Plus que celui-là, et voilà. Donc là, a priori, on aura 6 greniers. Au niveau du stockage du blé, on a 100, 200, 300. Plus les zones au niveau de la production, quoi. Au niveau de la viande, on est à 2, 300, poisson, 300, pain, 300, lait, 100, fromage, 200. Ok, si ça suffit. Oh, ok. Herbe ou blond, ça c'est unique. Et un seul au niveau de la mixture de baie, mais ça on s'en fout. Ok. Du 300. L'entrepôt, alors. C'est là où il va falloir être bon. L'entrepôt ici, on va stocker du fer. On va stocker de l'or.
Et stocker du charbon. Et du lingot d'or. Déjà dans un premier temps. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Il y a du travail pour il y a du travail pour vous. C'est propre par là, hein, ça. T'as fait du bon boulot, hein. Église rustique construite. Déjà? Alors là, par contre, là, si le clergé est même pas. Ah ouais, ça a bien augmenté les stats au niveau du clergé. Hein. Rang, je passe de moins 25, je crois, à moins 2. J'ai toujours pas d'influence, ça c'est terrible. Hospice. C'est ça? Visiteur. Ok, trésor, et on s'en fout, réfectoire. Frère et sœur, ok. Oui, apiculture, ça c'est bien ça. Apiculture. Cuisine monastique. Repas monastique, ok. Je sais pas. Taxe sur l'église. Viticulture monastique. Bien ça, du vin, du vin. C'est bien ça. Église abbatiale monastique. Ok. Ok, bon, le poisson. Le poisson, on monte grosso modo à. À 500, les baies, on monte grosso modo à 450, on va dire. Donc, on va essayer quelque chose pour les baies et le poisson, on va voir ce que ça donne. Donc, le poisson, je vais mettre 400. Et les baies, je vais en mettre 400 aussi. On va voir ce que ça donne. Oh, déjà construit la tonneline. C'est fou ça. Vache. Alors là, oui, mais alors attendez, j'ai pas de quoi. J'ai pas de quoi le faire encore. Hein. J'ai clairement pas de quoi construire. Ok, mon bailli a découvert du gisement. Vous bien. On va lui sélectionner un autre mandat. On va prospecter du minerai. C'est bientôt fini. Ouais, ils étaient vraiment à fond sur l'église, les constructeurs. Hein. Là, ils vont s'atteler à cette partie-là, c'est bien. Lui, il est en train de faire l'armurerie. Qu'est-ce que tu vas vouloir me donner comme mission à la con, toi, hein? Non, parce que je commence à connaître là. Tu vois, tu vas me demander un truc que j'ai pas, genre tu vas me demander 200 laine, un truc comme ça, non? Mais toi et moi, on commence à avoir des rapports assez particuliers, assez. Je te prends pour un con, tu me prends pour un con, quoi. Du blé, bien évidemment, tu veux du blé. Qu'est-ce que tu me veux? 200. Non. Tu cherches la petite bête en même temps, tu la trouves. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en fabrication? Fonderie. Produit du fer là. Ah ouais, mais c'est ça que j'ai pas, du minerai de fer, je l'ai pas stocké. Alors, attendez. Je me suis un peu trompé. Là, il me faut le minerai de fer. Voilà. Perle, minerai de fer. Et or, minerai d'or. Ici, charbon. Oui, parce que j'aime bien quand c'est bien classé. Charbon. Ok, ça. Outils. Là, ça produira des épées. Et là, des tonneaux. Très bien. Sois le bienvenu. Deux fondeurs. Ah, il faut des roturiers. Oh, il faut des citoyens sur les tonneliers. Et ben, on va rajouter ça. Alors. 200 emplois pour les fondeurs.
de serre. Sans emploi. Hop. Félicitations pour votre promotion. Je vais vous donner du taf très vite. En dehors. Et là, il faut 3 tonneliers. 3 tonneliers, bah, sinon ça va promouvoir. Hein. Un armurier, un citoyen. Oh, putain. Bon, bah, il faut 3, 4 citoyens là. Bon bah les gars là, dans l'épisode prochain, je peux vous dire que il va y avoir de la promotion et que vous allez bien travailler. Hein. Là, on va avoir de la promotion de bah, des personnes qui ont leur pseudo dans le jeu. On va bien travailler. Oh, malgré qu'on ne vend pas grand chose, on a quand même pas mal de pièces de côté. Hein. C'est les mines qui rapportent tant que ça. C'est les taxations là qui. La vache. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que tu viens chercher toi là hein Après. Ah mais attendez. En train de réfléchir justement à cette histoire. Ils arrivent de là. Si je mets vraiment les trucs ici, si je stocke ici, ils vont pas me poser problème. Forgeron, des roturiers. Bon, des roturiers, c'est pas un souci, ça. Ah ben si, c'est un souci, j'ai pas assez de travailleurs. Nourriture! Oh la Foxy! Oh la Foxy! Oh la... Alors on va mettre du miel à vendre. Voilà la bouffe. Et on va vendre des bougies ou des objets usuels aussi. Hein. Ouh, désolé mon ami Foxy là. Je t'ai. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi important que ça. Alors bougies ou objets usuels. Je sais pas si j'en ai moi. Bon. Alors on va vite pallier le manque de Foxy parce que sinon il va se barrer. Alors objet visuel, c'est où? Je vais en importer des objets visuels hein, là je veux pas faire de bêtises. C'est où? Oh purée, c'est même pas rangé par ordre alphabétique, c'est rangé par on ne sait pas trop quoi. D'accord. Je passe à côté. Oui, c'était par là. 100 et acheter jusqu'à ce qu'on ait les 100. Ça, il me faut un étal de luxe apparemment. Sectionné. Étal de marché. Étal de produits de luxe. Hop, et produits de luxe, on avait dit c'était tente rouge. Ici. Petit panneau comme quoi. Hey Foxy, viens chercher ici tes produits de luxe. Tu verras, c'est trouvé. Voilà, priorité là, priorité de construction là, absolue. Oui, ça arrive. Ça arrive. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais vendre. Ah, si, des herbes. Parce que des herbes, c'est du luxe. Allez, construisez. Par contre, je vais en priorité. Hein. Prioriser la construction, là. Faut pas déconner, les gars. Priorité première, hein, clairement. Oh, j'ai deux bâtisseurs sur le coup, Foxy. Et Foxy, regarde. Deux bâtisseurs juste pour toi. Franchement, c'est pas magnifique, ça. Deux bâtisseurs qui travaillent d'arrache-pied pour que tu puisses avoir ce que tu souhaites. Ah bah, t'arrêtes pas juste avant, aussi. Bon, d'arrache-pied, mais pas les leurs, apparemment. Allez, venez construire, il reste pas grand-chose. Ah non, mais il a construit le panneau, au coup.
Oh, c'est joli. Quand c'est pas flou. Hop, bienvenue. J'ai du boulot pour vous. Vous avez bien fait de venir. Métal de marché construit. Ressources assignées. Foxy, tu vas pouvoir avoir des herbes. Franchement, c'est magnifique. Franchement. Que demande le peuple, comme on dit. Il me fallait deux roturiers pour le forgeron. Allez, hop, c'est parti. Donc toi et toi. Allez, promouvoir. Attends, quoi? Mais c'est citoyen, ça. Bam, deux forgerons. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On aura construit toute cette zone-là. C'est plutôt pas mal. Et on est en train de réfléchir donc à cette histoire de commerçants qui... Voilà, vache. Ouais. Qui viennent prendre pas mal de ressources. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob.